une première question, c'est comment justement une entreprise se réinvente en permanence? Puisque finalement, une organisation apprenante, c'est une organisation qui est en constante évolution et qui donc va travailler sur la façon dont elle se réinvente au quotidien. Et typiquement, c'est le projet industriel d'un site qui peut être un lancement de produits, l'introduction d'une nouvelle technologie, mais aussi, par exemple, l'ouverture vers le client, le travailler différemment avec sa supply chain. Ça peut être vraiment des éléments qui permettent de faire évoluer le site dans la continuité. C'est aussi une organisation dans laquelle les personnes accroissent leur capacité de faire des choses. Donc on va parler tout à l'heure un peu de l'homme augmenté, comment on peut augmenter la capacité humaine à faire des choses peut-être différemment, peut-être faire des choses qui sont plus intéressantes, plus porteuses de valeur, plus porteuses de sens, pour éliminer un certain nombre de tâches qui sont parfois fastidieuses, routinières, voire même pénibles, voire même dommageables pour la santé. C'est aussi une organisation dans laquelle on accepte d'autres manières de penser. Agnès parlait tout à l'heure de l'ouverture vers l'extérieur. Bah, comment on travaille avec l'écosystème, comment on travaille avec les gens qui sont en amont, en aval du processus productif, par exemple, et comment on les intègre dans l'innovation, la prise de décision et le fonctionnement au quotidien, voire même les gains et l'amélioration continue. Et puis aussi, une organisation, on regarde les gens peut-être différemment, pas par exemple pour leur statut, pas pour leur poste, pas pour leur rôle dans l'organisation, mais plutôt pour ceux qu'ils sont en tant que personnes. Et où on va peut-être attacher de l'importance à ce que font les gens dans l'organisation, mais aussi pour l'organisation, voire en dehors de l'organisation. Donc, on prend souvent l'exemple des gens qui ont un engagement associatif à côté, qui n'est pas forcément valorisé dans le monde de l'entreprise parce qu'on regarde leurs compétences, et on se rend compte qu'il y a des gens qui ont finalement plein de compétences, qui mobilisent à l'extérieur de l'entreprise, qui ne sont pas mobilisés pour le bénéfice finalement de leur organisation. Donc c'est aussi une organisation où finalement on découvre son style d'apprentissage, on apprend à apprendre et où on développe finalement des rituels, des activités qui favorisent la mise en partage, la mise en connexion des gens pour satisfaire ce but commun. Donc c'est vrai que souvent c'est difficile à mettre en œuvre parce qu'on a plein d'obstacles pour arriver à ça. C'est une question d'intention, c'est une question de climat de travail, c'est une question de confiance, c'est une question aussi de relationnel entre les individus. Mais finalement, quand on regarde les grands projets qui ont été souvent associés à l'industrie du futur, on a mis en avant l'aspect technique, mais en réalité, c'est une communauté d'hommes et de femmes qui avaient un but commun, qui souhaitaient atteindre, qui se sont mis dans cette logique systémique. Comment on arrive à bien travailler ensemble? Comment on arrive à progresser ensemble? Et finalement, comment on arrive à faire progresser notre impact collectif grâce à cette dynamique qui est créée par souvent une petite communauté, un petit noyau qui entraîne et qui fédère autour de cette idée. Donc, ça part du principe qu'ensemble, on est plus performant que de façon individuelle, ce qui est souvent un lieu commun qui est répété, mais qui, dans le monde de l'entreprise, n'est pas toujours bien admis. Et puis, en même temps, d'être capable de faire un lien entre les différentes activités des équipes pour créer de la valeur et créer de la valeur perceptible par le client, qui permet d'engager le client dans la relation avec l'entreprise et du coup, d'être aussi créatif et innovant pour innover, créer des solutions qui vont permettre d'engager la relation client dans la durée. Donc c'est aussi une entreprise qui a le souci du développement durable au sens propre du terme.